Salut, bande de sportifs! À l'école, on nous a donné un œuf pour nous apprendre à nous occuper de quelqu'un de plus fragile que nous. Hé, j'avoue que c'est un peu stressant. Bref, aujourd'hui au skatepark, c'est trop bon. On découvre le roller avec Simon. Salut! Lui, c'est Paquito. Je l'ai appelé Paquito comme un œuf de Pâques. C'est rigolo, non? Parce qu'en fait... terrible roller. Dis donc, ça doit faire mal quand on se casse la figure. Non, parce qu'on est bien équipé. On a des protections avec des coussins à l'intérieur et... Paquito! Paquito, t'es où? C'est lui que tu cherches, Théo. Tu ne devrais pas laisser traîner ton œuf en haut d'un pipe. Bon, on parle roller? Ok, parle-nous des muscles sollicités. Au roller, tout le bas du corps travaille, mais aussi les abdominaux et les lombaires. Et ce qui compte aussi, c'est d'être créatif. T'es en sécurité dans cette boîte. Ici, il y a plein de modules différents sur lesquels on peut faire nos figures. Des rampes pour grinder, des tremplins pour sauter et des pipes pour s'envoler. Bonjour, vous vendez des casques de protection? Non, pas pour moi, pour mon œuf. Allô? Allô? Sans raccrocher. En 1760, un patineur sur glace inventa les premiers rollers. Pour continuer à glisser quand la glace avait fondu, deux rouleaux en métal sur des plaques en bois et le tour était joué. Aujourd'hui, on utilise des quads ou des patins en ligne. À toi de jouer, Théo. Terrible roller. Pour être en forme, manger des protéines, c'est important. Je vous conseille de temps en temps une bonne omelette. Ah, oh, Paquito! Et toute ta famille! C'est pas moi, j'ai rien fait! Et plus d'informations sur mangerbouger.fr.